comme toute CEP a toujours dit, et particulièrement depuis janvier, calendrier électoral là a un minimum de 120 jours, minimum, strict minimum, ça prend pour instrumenter un calendrier électoral. Pour nous comprendre qui j'ai CEP à faire pour répondre à la question 120 jours là, nous avons une date constitutionnelle qui reprend la constitution 87 amendée qui dit que l'élection supposée faite, élection présidentielle là, dernier dimanche d'octobre de dernière année, président de la République là. Donc ça mettait nous au 25 octobre. Si pour nous faire présidentielle en octobre, calendrier ça a ban nous jour J en octobre là, tu as supposé démarrer en juillet. Nous d'accord. Si nous fermons en juillet, nous disons nous besoin 120 jours encore pour nous démarrer le calendrier minimum. Sans nous pas compter deuxième tour là. Ça t'a fait nous faut nous démarrer 1 2 3 4 depuis janvier, faut nous déjà démarrer premier calendrier là pour nous dégager deux fois 120 jours. Sans compter deuxième tour. 120 jours c'est entre jour à inscrit parti politique là et jour vote là, deuxième tour là-dedans. Donc ça t'a dit que arithmétiquement, jodi a là, nous pas gain temps, nous pas gain temps dans CEPA pour nous gain deux processus électoraux pour nous faire deux élections, même si nous dit appel une de l'autre n'a collé. Nous dit jour fin ba résultat, nous recommencer de inscription parti politique encore, nous pas gain temps matériel pour ça. Cependant, nous avons obligation constitutionnelle légale et c'est pour ça nous là, c'est pour nous assurer qu'il y a de bonnes élections transparentes et crédibles avec tous les adjectifs que nous connaissons qui se tiennent au cours de l'année 2015 pour pouvoir renouveler l'institution républicaine, le Sénat de la République, la Chambre des députés, avoir les collectivités territoriales et renouveler le mandat du président de la République et avoir un nouveau président pour le 7 février 2016. Pour cela, pour répondre à cette exigence, le CEP s'est proposé et proposera aux partis politiques un calendrier électoral qui s'étendra sur un processus électoral qui démarrera en mars 2015 pour se terminer avec les présidentielles d'octobre 2015. Donc notre calendrier électoral à date donnera la garantie aux partis politiques que le processus électoral commencera dès mars 2015. Et nous aurons les législatives au mois de juillet, on va dire Sénat, les deux tiers du Sénat plus la Chambre des députés. Cette élection se fera au mois de juillet 2015. On aura comme convenu le deuxième tour des législatives et le premier tour des présidentielles le 25 octobre 2015, comme le veut la Constitution. Et en janvier, on aura le deuxième tour des présidentielles et les élections municipales et locales. Ce qui nous permettra très tôt de renouveler tout le personnel politique qui devra gérer le pays et au deuxième tour, nous assurer de tenir les élections législatives et locales tout en prenant la précaution d'avoir un président élu pouvant prêter serment le 7 février 2016. C'est l'ensemble de ces préoccupations qui était servi pour cadre conceptuel pour CEPAT préparer projet de calendrier électoral. D'ici la fin de cette semaine, d'ici vendredi, ce calendrier électoral que nous faisons parler de l'ILA l'a préparé et nous allons avoir un projet qui sera discuté avec les partis politiques. Donc, dès cette fin de semaine, nous avons nous arrangé pour nous adresser de manière formelle à l'ensemble des partis politiques pour commencer la ronde des consultations devant nous permettre de valider un calendrier électoral avec horizon mars 2016 pour démarrer le processus électoral qui aboutira mars 2015, je reprends, le mois prochain. On va démarrer le processus électoral le mois prochain cette année de manière à arriver au 25 octobre 2015, le jour J pour la tenue des élections présidentielles, avoir l'ensemble des législatives avant cette présidentielle et au mois de janvier, tenir les locales et municipales afin d'avoir tous les élus en poste au 7 février 2016. Maintenant, c'était la quatrième partie de ce menu. Maintenant, je passe la parole
au vice-président Pierre Maniga Junior, pour vous en